Zoé Kravitz et Channing Tatum disent adieu à leurs fiançailles. On les pensait inséparables, et pourtant, Zoé Kravitz et Channing Tatum, qui formaient il y a encore peu de temps le duo le plus glamour des tapis rouges, se seraient séparés quelques mois après leurs fiançailles. Quand on a vu briller un diamant à l'annulaire de l'actrice et cinéaste en novembre 2023, on imaginait déjà leur union. Sur le tournage de son premier film en tant que réalisatrice, Blink Twice, elle n'avait pas tari d'éloges sur son fiancé, à qui elle a offert le premier rôle, le décrivant comme « absolument merveilleux ». Mais nous devons nous rendre à l'évidence. Zoé Kravitz et Channing Tatum, c'est bel et bien terminé, selon les informations du magazine People. En septembre dernier, l'acteur clamait encore son amour pour sa belle sur Instagram, après le tournage de leur film Blink Twice. Elle a mis tout ce qu'elle avait dans ce film. Je suis tellement fière de me tenir debout pour elle, ce film et tous ceux qui en font partie. Pour toujours, sachant ce qu'il a fallu pour le réaliser. Personne ne le saura jamais. Merci de m'avoir trouvé et de m'avoir vu. Je taille pour toujours, toi et moi, dos à dos contre tout. Je ne clignerai jamais des yeux. Allons-y. Avant ça, en juillet 2024, l'Américain de 44 ans s'était confié à propos de sa collaboration avec la fille de Lenny Kravitz sur ce projet, expliquant que même si c'était l'un des films les plus difficiles sur lesquels il avait travaillé, elle a fait en sorte que cela en vaille la peine. Lorsque vous pouvez regarder à travers la pièce ou le plateau et savoir que vous avez la meilleure personne à côté de vous qui essaie de résoudre des problèmes, et vous lui demandez des réponses tout autant que vous essayez de les résoudre vous-même, c'est incroyable, avait-il déclaré à l'époque. Cette profonde admiration était réciproque. Zoé Kravitz avait tenu un discours similaire à propos du comédien, souhaitant collaborer encore et encore avec ce dernier. « Je pense que l'art est notre langage d'amour. Je pense que c'est ce que nous aimons, et nous aimons en parler, en faire l'expérience et nous soutenir mutuellement. » Vœux exaucés, ils partageront l'affiche d'Alpha Gang, un film réalisé par les frères Zellner, qui rassemble tous les plus grands noms du cinéma, Cate Blanchett, Léa Seydoux, Riley Keough. Prévu pour 2025. Zoé Kravitz et Channing Tatum n'avaient sûrement pas imaginé collaborer de nouveau ensemble sur un projet cinématographique en étant séparés, mais le 7e art les réunit à nouveau.